bonsoir en tout cas aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent sur Radio de Vie. Vous êtes à votre émission ce soir, Être une voix pour les sans voix. Nous sommes encore heureux d'être avec vous. Excusez-nous de ce petit problème technique. Mais en tout cas, nous bénissons le Seigneur de votre présence, de votre fidélité. Et nous croyons par la grâce du Seigneur, le Seigneur encore nous assistera sur le thème que nous allons essayer de développer ensemble ce soir, sur la foi en action et sa pensée, comment le mettre en action, en tout cas, par les œuvres, par la grâce du Seigneur, qui sont les œuvres des épiceries sociales ou épiceries solidaires. En tout cas, avant de présenter mes sœurs qui sont avec moi ce soir, nous allons passer un temps de la prière pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur, car sans lui, nous pouvons vraiment et réellement rien faire. Père de gloire, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour toutes choses parce que tu es Dieu, Seigneur, et nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant de ton trône, Seigneur, te remettre cette émission entre tes mains. Seigneur, merci pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que tu fais. Père, que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne. Aide-nous encore, mon Dieu, à réaliser ta bonté, ta fidélité, Seigneur de gloire. Tu es vivant, tu ne changes pas, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne savons rien faire, mon Dieu, et nous avons besoin de toi. Et nous voulons parler encore ce soir, comme Moïse a dit, si tu n'es pas avec nous, nous ne voulons rien faire. Seigneur, mais nous croyons que tu es avec nous, car là où deux ou trois sont rassemblés, en ton nom, tu es là, Seigneur. Que ton règne vienne, que assiste encore mes sœurs, ouvre encore l'intelligence, ouvre nous-mêmes encore l'intelligence de penser comme toi, de parler comme toi et de voir comme toi, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir mes sœurs, Aurélie, bonsoir Arlette. C'est mes sœurs, comment ça se passe un peu le travail? Qui vous êtes? Peut-être pour les frères et sœurs qui ne vous connaissent pas. Alors nous c'est le Grenier Solidaire, donc moi déjà Arlette. Donc je fais partie de l'équipe du Grenier Solidaire. Mmh. Donc le Grenier Solidaire, ça se passe bien par la grâce de Dieu. Des bénéficiaires de plus en plus nombreux, de plus en plus de travail, de plus en plus de temps à consacrer. Pour c'est quoi déjà le Grenier Solidaire, peut-être les frères et sœurs qui regardent pour la première fois. D'accord. Donc le Grenier Solidaire, donc c'est une épicerie solidaire, donc une épicerie qui distribue gratuitement des denrées alimentaires deux fois par semaine, donc qui accueille environ 200 familles par mois. Donc ces denrées, on les a gratuitement via Carrefour, Intermarché ou autres réseaux de commerce. Donc voilà, en ce qui concerne la présentation du grenier. Donc c'est une équipe d'une dizaine de bénévoles au nom de Jésus, parce que nous sommes tous bénévoles dans le Seigneur. Mmh. Et donc il y a deux points importants. Donc il y a le côté épicerie distribution et le côté épicerie accueil administratif où on reçoit les bénéficiaires. Et je pense que c'est Aurélie un peu qui fait le travail par rapport la permanence juridique ou administrative. Comment ça se découle un peu le travail dans ce domaine? Bonsoir, donc, moi c'est Aurélie. Ça se passe aussi bien. Donc, comme disait Arlette, il y a de plus en plus de monde qui vient et on doit davantage se consacrer parce que c'est pas évident. Et donc dans la permanence juridique, on reçoit les nouvelles personnes. Donc c'est là où on reçoit les personnes nouvelles qui s'inscrivent et puis on fait également des bilans. Donc c'est à une période, enfin c'est pendant un laps de temps de 3 mois, la personne bénéficie d'une aide alimentaire et donc au bout du 3e mois, cette personne, on vient faire un bilan avec elle pour voir un petit peu sa situation, si elle a évolué ou qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider davantage. D'accord. Et comment ça évolue à peu près à l'heure d'aujourd'hui? Les gens arrivent quand même à... Je sais que si vous mettez en place une permanence pour un travail, en tout cas d'atelier pour le retour à l'emploi, la réinsertion professionnelle, comment ça se décline un peu? Donc, au niveau de l'emploi, on travaille avec une sœur qui est dans le domaine de l'emploi. Mmh. Et donc, c'est elle qui s'occupe plus en fait, de ce point-là. Mmh. Et elle reçoit les personnes qui sont en recherche active en fait, au niveau du travail et les aide, en fait, les oriente en termes de, en ce qui concerne les formations. Et donc voilà, c'est dans ce sens en fait, qu'elle oriente les personnes. Mmh. Et puis on a aussi certaines fois des ateliers recrutement.
Donc on a été amené à faire des ateliers avec des personnes qui sont professionnelles dans ce domaine. L'HIC, c'est ça? Oui. Donc ils font une simulation en fait d'entretien avec eux et puis c'est une personne aussi qui peut les aider en fait à trouver du travail. Donc voilà, donc à travers ça, il y a aussi des personnes qui ont pu déboucher qui ont pu trouver un travail. Amen. Et donc amen. Voilà, on bénit Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Amen. C'est vrai que si on a amené à parler de ça un peu aujourd'hui parce que il y a eu un temps de didasco par la grâce du Seigneur. On a dû mettre en place pendant une semaine un temps d'enseignement sur la thématique de la responsabilité du chrétien face à la pauvreté. Par la grâce de Dieu, on a pu encore découvrir beaucoup de choses. Le Seigneur nous a encore orienté un peu à comprendre sa pensée. Quel est notre, comment nous devons nous positionner face au fléau qui frappe partout, que ce soit en Europe, que ce soit dans les quatre coins du globe. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons voulu concrètement un peu dire qu'est-ce qui peut se mettre en place. Là, on a pris un peu l'exemple d'une épicerie solidaire, l'un des premiers champs d'action qu'on a pu avoir au niveau de la structure que le Seigneur nous met à cœur, de la vision, qui était à l'époque encore, c'était une banque alimentaire. La banque alimentaire consistait simplement à soutenir les personnes dans les besoins qui venaient dans nos assemblées. Et par la grâce du Seigneur, le travail s'est fait, ça s'est démultiplié un peu par-ci, par-là. Et par la suite, on s'est rendu compte que laisser les personnes dans l'assistanat, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de redonner un coup de pouce. Et quand l'apôtre Pierre est parti devant la porte, devant le temple, quand il y avait ce boiteux mendiant, il n'a pas dit « Suis-moi, chaque fois je te donnerai à manger ». Il a dit « Au nom de Jésus, lève-toi et marche ». Et je pense que le travail que nous devons faire, ce n'est pas simplement d'être dans l'assistanat ou être dans l'émotion, tout ce qui est sensationnel. Non, on est là pour faire un travail pour le nom du Seigneur. Et là où il y avait peut-être la mort, là où il y avait des manquements, là où il y avait, où les gens n'arrivaient pas à tenir les deux bouts, nous sommes là en leur disant, par la grâce du Seigneur, avec les outils que le Seigneur peut nous donner, en leur disant que levez-vous et marchez au nom de Jésus. Parce que nous ne sommes pas appelés à pousser, à faire en sorte que les gens dépendent de nous, mais nous sommes appelés à faire en sorte que les gens dépendent du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que après, nous avons réfléchi à mettre en place, en tout cas, ces épiceries aujourd'hui. Mais là, on parle un peu de Courcouronnes avec tant d'autres qui ont commencé à naître par-ci, par-là. Et pourquoi l'épicerie aussi? Parce que l'épicerie, ça permet aussi d'aller dans un autre horizon où d'autres personnes que peut-être on ne pouvait pas voir dans nos assemblées puissent aussi avoir accès à, comment on appelle ça, à un soutien. Un soutien, parce que le Seigneur nous disait effectivement de s'occuper dans ce long Galates 6 des pauvres qui sont déjà parmi nous, mais aussi de pauvres qui ne le connaissent pas, parce que tel est le travail que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Mais ce qu'on va essayer de développer un peu aujourd'hui, c'est on parle de pauvreté, on parle de précarité, on parle de toutes ces choses. On va essayer de voir à la lumière de la parole qu'est-ce qui s'est réellement passé et est-ce que comment on peut nous, à l'heure d'aujourd'hui, nous engager dans ce domaine, comment on peut faire à la lumière de la parole saisir et réaliser clairement notre position et comment on peut aussi travailler dans ce domaine et pourquoi nous devons travailler dans le domaine et qu'est-ce que ça apporte à travailler aussi dans ce domaine. Alléluia. Parce que je pense que un homme disait que donner un témoignage en disant que l'homme peut vivre tant de jours sans manger, tant de jours sans boire, 40 jours sans manger, 3 jours sans boire, 2 jours peut-être sans dormir, mais il ne peut pas vivre une journée sans espoir. L'homme a besoin de l'espoir. Alléluia. Je pense que si nous faisons des choses, si nous sommes là engagés, c'est parce que nous avons un espoir en quelque chose. Cet espoir-là, notre espoir en tant que chrétien, elle est dans le Seigneur. Et quel est cet espoir, quelle est cette espérance que le Seigneur nous a donnée? C'est être quelque part là-haut avec lui. Alléluia. Et c'est pour cela que dans notre engagement, on doit savoir, ou dans tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, pourquoi on le fait et quelle est l'espérance qui nous est donnée dans le domaine dans lequel que nous faisons. Quelle est cette rémunération
J'aime cet homme qui s'appelait David dans la Bible. Quand il est venu voir le combat avec Goliath, le combat était énorme. Il y avait tellement de choses. Tout le monde avait peur. Tout le monde était impressionné par la taille de Goliath. Mais ce qui était bien avec David, David a simplement voulu savoir quelle était la récompense à celui qui allait gagner la bataille. Alléluia. Je pense que nous aussi, dans notre engagement, ce qu'on veut savoir, pourquoi nous le faisons et qu'est-ce qu'il y aura. Nous ne faisons rien en vain, frères et sœurs. Si nous nous engageons dans notre responsabilité en tant que chrétiens à essayer non pas à éradiquer la pauvreté, parce qu'il y aura toujours la pauvreté parmi nous, comme le Seigneur nous l'a dit, mais nous engager dans ces domaines, mais c'est, je le crois par la grâce de Dieu, il y a quand même quelque chose qui nous attend derrière au nom de Jésus. C'est pour cela, sans plus tarder, on va essayer, par la grâce de Dieu aujourd'hui, de voir un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe déjà, faire un diagnostic, pourquoi le faire, comme on l'a vu l'autre fois, pourquoi nous nous engageons dans ce domaine, pourquoi on met en place des permanences juridiques, pourquoi on met en place des épiceries, pourquoi on s'engage dans ce domaine de, comment on appelle ça, pour le social, pour la cause des démunis. S'engager, comme disait l'apôtre Paul dans Galates 2, 10, là-bas, s'engager avec empressement, sans pas s'engager en tâtonnant. Non, on s'engage et je bénis Dieu, par la grâce de Dieu en tout cas, le travail qui peut se faire dans la vie des frères et sœurs qui s'engagent dans ce domaine. Et quand je vois l'engouement et quand je vois le travail qui se fait, ça ne se fait pas nonchalant, on se dit bon parce que j'ai envie de faire, parce que j'ai le temps. Non, on le fait parce qu'on le sait pourquoi on le fait. On le fait parce que c'est un des devoirs que le Seigneur nous a donné. On le fait parce que le Seigneur nous donne aussi le zèle pour le faire au nom de Jésus. Et on ne le fait pas pour être plébiscité, loin de là, mais on le fait parce qu'à un moment ou l'autre, c'est ce que le Seigneur nous demande simplement. Et on va essayer de le voir aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur demande à nous en tant que chrétiens? Qu'est-ce que le Seigneur nous demande par rapport à ce domaine du social? Et qu'est-ce qui est prévu pour nous? Et pourquoi on le fait? Alléluia. Parce qu'on ne peut pas faire des choses sans savoir le pourquoi. Comme on appelle ça, on peut faire un diagnostic. Je ne peux pas travailler à l'épicerie si je ne sais pas pourquoi je travaille dedans. Je ne peux pas travailler quelque part si je ne connais pas le contexte. On ne veut pas. Sinon, on va le faire, mais on va le faire à un moment ou l'autre. On va manquer d'ambition. Oui. On peut aussi manquer cet amour pour le faire parce qu'on se dit, bon, je le fais pour plaire à Loufiane, je le fais pour plaire à un tel. Mais on oublie qu'on le fait d'abord parce que le Seigneur nous le demande. Mais avant que le Seigneur nous le demande, est-ce que le Seigneur nous demande des choses par hasard? Est-ce que le Seigneur nous demande de nous engager parce que, comment on appelle ça? Simplement parce que faire plaisir, faire le beau? Non, c'est parce que réellement, il y a des frères et sœurs, il y a des besoins. Alléluia, il y a des réels besoins. Et ces besoins-là, nous qui sommes en France ou nous sommes en Europe, sans même parler de comment on appelle ça, des pays un peu éloignés, mais je ne parle que de la France. On va parler déjà de la France. L'autre fois, on a vu que par rapport à la France, sur les 12 millions de franciliens, si je me trompe, sur 12 millions de franciliens, il y en a près de 2 millions qui vivent avec moins de 600 euros, ce qu'on avait vu la dernière fois. Mais on va se rendre compte que même en Europe, c'est pour cela qu'on va essayer de voir un peu le contexte. Qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Pourquoi? Prenons Luc. C'est important de tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, d'être à la lumière de la parole. Alléluia. De ne pas faire les choses pour faire, de ne pas faire parce que j'ai vu de la lumière. Je le fais parce qu'il y a un réel besoin. Je le fais parce que je fais un diagnostic pour voir concrètement quels sont les besoins. Je le fais parce qu'en même temps, je constate qu'il y a un besoin et par rapport à ce besoin, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Pourquoi? Parce que le Seigneur va lui dire, avant de parler un peu de ce qui se passe au niveau de l'Europe, on va essayer de parler un peu, Aurélie, si tu peux prendre... Mais attends, mais Aurélie, t'es jeune comme ça, tu sers Dieu? Bah oui. C'est normal ça? Bah, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui touche les cœurs, quel que soit l'âge, et bah, on peut servir Dieu. Oh, c'est une question qui m'est venue comme ça quand je t'ai vue, je dis maintenant, mais elle travaille pour Dieu. C'est-à-dire c'est possible de servir Dieu en étant jeune? Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Et de le faire sérieusement? Oui, c'est possible. Et en même temps vivre dans la crainte de Dieu?
Oui, c'est possible. Sans aller avoir des petits copains, des petites copines, voilà. C'est possible ça ou pas? Oui, oui, c'est possible. On ne sait jamais. Hein. Non, c'est vraiment possible. Quand Dieu touche les cœurs, eh ben, il touche réellement. Et comment tu le vis un peu? C'est une petite parenthèse, voilà. Alléluia, il n'y a rien de préparé. Avec Dieu, c'est on se laisse conduire. Tiens, une petite parenthèse, parce qu'on ne peut pas servir Dieu pour servir Dieu. Déjà avant de le servir, comment, qu'est-ce qui t'est arrivé à le servir, t'engager dans ce domaine? M'engager dans ce domaine, bon, déjà... Sans indiscrétion, t'as quel âge? Peut-être qu'il y a des jeunes sœurs qui nous regardent. Donc moi, j'ai 23 ans. Et depuis combien de temps tu travailles un peu avec nous dans le domaine du social? Ça fait... 5 ans? Ça fait, oui, 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. 3 ans, c'est-à-dire ouais, à 20 ans. Oui. Ok, à 20 ans, tu t'es engagé pour le Seigneur. Ouais, mais... Oui, dans l'œuvre, oui, dans l'œuvre sociale. Dans l'œuvre sociale. Oui, c'est ça. Et comment ça se fait? Comment ça... Pff, ça te manque pas le monde? Qu'est-ce que tu fais là en fait? Bah, en fait, déjà, je me suis engagée dans l'œuvre sociale parce que bon, j'étais depuis un certain temps chrétienne. Mm-hmm. Et donc, un jour, je me suis posé une question. Je me suis dit, dans ma chambre, quoi, je priais et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi en fait? Dans quel domaine est-ce que je peux être utile? Et donc moi, je demandais comme ça. Et puis, un jour, comme ça, il y a une sœur qui m'a appelée et qui m'a demandé de l'aider par rapport aux opérations quasi. Mm-hmm. Et donc, je me suis présentée. Et puis, ça a continué dans ce sens-là. Et puis, elle m'a aussi invitée à participer à l'épicerie. Mm-hmm. Et donc, moi, ça m'a... Enfin, dans mon cœur, j'ai senti que c'était... C'était ça, en fait, que je devais faire. Amen. Ouais. Et donc, c'est vraiment... j'ai su que c'est vraiment Dieu, en fait, qui m'a mis ici. Amen. Et donc là, jusqu'à présent, je suis là. Et puis, Amen. Dieu se bénit. Ouais. Ben, je bénis Dieu, en tout cas. Je sais que, par la grâce du Seigneur, on connaît un peu ton parcours, ton engagement, depuis que tu es venu, quand même. Hein, ouais. Si on veut rappeler les dossiers de... à l'ancienne. Mais moi, ce que je t'ai touché, en tout cas, c'est de voir aussi même... Par ton engagement, même ta mère maintenant travaille à l'épicerie. Oui, oui, elle travaille à l'épicerie et puis elle nous aide régulièrement. Amen. Et donc elle continue toujours à nous aider. Ouais. Non, mais alléluia, Anna, mais franchement, je bénis Dieu déjà. C'était une petite parenthèse qui était très importante aussi de faire parce que effectivement, on peut être jeune et servir Dieu. On peut être jeune et réellement être engagé pour la cause de l'évangile. On peut être jeune. Et répondre à l'appel de Dieu sérieusement. Et on en témoigne déjà de ce qu'on voit dans la sœur qui est là, en tout cas, que le Seigneur t'accompagne au nom de Jésus. Et je sais, comme la Bible dit, celui qui a commencé une œuvre en toi ramènera à la perfection. Personne ne pourra arrêter ce que le Seigneur a commencé dans ta vie. Et en tout cas, que Dieu soit béni. Oui, je disais, on va prendre d'abord Luc 16. Merci Seigneur pour ta grâce. Aurélie, si tu veux bien lire Luc 16 à partir du verset 1. Luc 16, verset 1. Mm-hmm. Il disait aussi à ses disciples, il y avait un homme riche qui avait un économe qui fut accusé devant lui comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Mm-hmm. Rends compte de ton administration car tu n'auras plus le pouvoir d'administrer mes biens. Mm-hmm. Alors l'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration? Mmh. Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Mmh. Je sais ce que je ferai, afin que les gens me reçoivent dans leur maison quand mon administration me sera ôtée. Mmh. Alors il appela chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Il dit, 100 mesures d'huile. Il lui dit, prends ton billet et assieds-toi, vite, et écris 50. Puis il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? Il dit 50 mesures de froment. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Et le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi, les enfants de ce siècle sont plus prudents que dans leur génération, que les enfants de lumière. Ok, on va s'arrêter là. On va lire verset 9. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment le verset 9. Et moi aussi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ok. Alléluia. J'aime trop ce passage. J'aime beaucoup lire ce passage parce que ça me remet un peu en question à savoir où j'en suis avec Dieu. Et
Là, par rapport à cette histoire, Aurélie, c'est qu'il y a un homme riche dans le Seigneur, avait confié ses biens à son économe. Cet économe-là, si on veut reprendre le contexte de la Bible par rapport à d'où nous venons en tant qu'homme, cet économe-là, on peut l'appeler peu Adam. Adam avait tout. Adam, quand il était au paradis, au commencement, la Bible me dit qu'il avait tout. Il avait même le pouvoir, Adam, de nommer les animaux. Et la Bible me dit qu'il avait tout au portée de main, tout lui était donné, sauf une petite chose qu'il était interdit, comme nous le connaissons, les lecteurs de la Bible. Adam était un vrai économe de Dieu. Adam ne manque rien dans le paradis de Dieu. Mais à un moment ou l'autre, Adam a péché. À un moment ou l'autre, Adam est sorti de la volonté de Dieu. Et la Bible va me dire que Adam va se cacher quand le maître va le chercher. Et quand le maître va le chercher, le maître va le faire un peu un compte rendu. Où es-tu, Adam, comme il avait péché, Adam, comme il n'avait pas marché selon la voie de Dieu, il va se cacher et il va essayer à un moment de se justifier. Adam va avoir la sentence. Cette sentence, ça va être de chassé du paradis. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait des biens, mais ces biens-là l'ont été à un moment ou l'autre ôtés. En lui autant ôté, comme là l'économe, savait que ce bien-là allait être ôté, il a commencé à réfléchir derrière. Frères et sœurs, Adam a été chassé au paradis, mais Adam n'était pas mort pour autant. Alléluia. Là, on voit déjà la grâce du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas la mort du méchant. Le Seigneur veut que le méchant se repentisse. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais essayer d'aller doucement pour apporter un peu cet enseignement. C'est simplement nous faire comprendre pourquoi nous devons nous engager. Adam, il avait tout à portée de main, mais quand Dieu va le chasser du paradis, Adam va, comment on appelle ça, ne va pas mourir physiquement. Ça veut dire qu'il y aura encore la grâce qui va faire qu'il va encore être là. Il n'aura plus accès au paradis, mais il aura accès quand même aux choses de la vie. Ça veut dire qu'il y a quand même eu des petites richesses qu'il avait encore. Mais Dieu lui laissait encore un temps. À l'époque, les hommes pouvaient vivre peut-être, la mort n'avait pas encore le pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, la mort n'avait pas le pouvoir. Les gens étaient limités dans le temps. C'est le péché qui a amené la mort dans la vie des gens. Mais avant de mourir, Dieu va quand même faire grâce à Adam à acquérir des choses. On a su qu'après, Adam a eu beaucoup d'enfants. Adam a quand même eu des biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme Adam aussi était chassé du paradis, or que c'était là où il devait être, il était chassé, il avait tout de bien, Dieu, en sortant de là, il avait quand même des choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous qui sommes un peu les descendants d'Adam, nous sommes chassés automatiquement aussi du ciel. À un moment ou l'autre, le maître va quand même venir pour nous voir par rapport à ce qu'il nous a donné. Je ne sais pas si je me fais comprendre pour l'instant. Tu comprends ou pas, Aurélie? C'est-à-dire que Dieu nous a laissés sur la terre des hommes avec des biens. C'est pour cela que la Bible me dit dans Matthieu 25, le parabole des talents. Dieu nous donne des talents, frères et sœurs. À la base, nous étions au paradis avec Adam. Mais comme Adam était chassé, automatiquement aussi nous étions chassés. Mais maintenant, en étant chassés, Dieu a quand même mis la pensée de la grâce. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce. Mais cette grâce-là doit être manifestée en quelque chose, dans les biens qu'on a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam était chassé, mais Dieu ne l'a pas tué physiquement. Ça veut dire qu'il avait quand même des biens. Et ces biens-là, il devait faire quelque chose avec ces biens. Comme cet économe. Dieu est venu l'homme riche est venu voir l'économe pour lui rendre des comptes. Mais ce n'est pas pour autant que l'homme riche, comment on appelle ça, l'économe était mort pour l'instant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que l'économe était encore là. Dieu est venu, il a dit, tu veux venir bientôt vers toi et je t'ôterai ce que tu dois l'administrer. En gros, il a laissé encore un peu de temps pour la repentance. Mais cet économe-là, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de se repentir, au lieu de chercher à savoir dans quel temps il est et comment faire pour garder, en fait, comment on appelle ça, pour regagner le cœur de son père, de son chef, ben, il va chercher des stratégies. Mais ces stratégies-là, la Bible va me dire, c'est bien, pourquoi? Parce que dans ces stratégies, il a essayé de sauver sa peau. Il a essayé que quand son maître va le chasser de la maison, de chercher des parodies. Vous savez, quand le Seigneur parle des fois en parabole, c'est simplement pour nous montrer, en fait,
comment on appelle ça, une réalité cachée. Cette réalité, c'était simplement par rapport à ces paraboles, cette réalité, c'était de faire comprendre que nous avons des biens. Et comme le dit dans verset 9, le verset 9 nous dit que, et moi aussi je vous dis que, déjà, avant il va dire que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de la lumière. Cela veut dire quoi, Arlette? Ça veut dire que les enfants de ce siècle, ils savent dans quel temps ils sont pour se préparer. Les enfants de ce siècle, ils arrivent à discerner le temps. Ils arrivent à discerner le contexte pour travailler. Ça veut dire que l'économe, il a compris que le contexte était tellement grave qu'il devait sauver sa peau. Mais combien aujourd'hui savent dans quel temps nous sommes pour s'engager pour le Seigneur? Combien aujourd'hui savent dans quel temps nous sommes pour être efficaces dans le service pour le Seigneur? Combien le savent dans quel temps nous sommes pour pouvoir préparer leur demeure là au ciel? Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui, frères et sœurs. On ne s'engage pas pour le Seigneur pour s'engager. On ne travaille pas pour le Seigneur pour dire aux frères et sœurs, voilà, je suis le président du pain quotidien. Mais Dieu n'en a rien à faire, frères et sœurs. Mais ce que le Seigneur attend de nous, de savoir dans quel temps nous sommes et que mon engagement doit être en adéquation avec le temps dans lequel je suis. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur, dans le travail qu'il faisait, il va dire que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il savait qu'il avait peu de temps. Même quand les gens commençaient à vouloir l'arrêter dans le travail, il va dire, oh, j'aime cette phrase, j'aime ce verset, il va dire, allez dire à ce renard, il me reste encore peu de temps. J'aime quand on travaille avec précision avec Dieu. Nous devons, frères et sœurs, dans le temps que nous courons, apprendre à travailler avec précision. Alléluia. De ne pas donner de coups dans le vide. De ne pas faire pour faire. De ne pas être dans un effet de mode. Parce qu'il y a des épiceries, je fais l'épicerie. Parce qu'il y a ça, je fais ça. Non, je le fais parce que je sais quelle est ma responsabilité en tant que chrétien. Et si je le fais, c'est par rapport au niveau du travail que le Seigneur me demande de faire, ben je vais m'engager réellement dedans. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Et beaucoup aujourd'hui, nous travaillons pour travailler, frère. Or que quand cet économe infidèle était investi dans le travail, frère, il savait pourquoi il le faisait. Et combien le savent que le Seigneur revient bientôt et que nous devons réellement nous engager. Parce que autant là, on l'avait ôté, mais Dieu ne veut pas que le méchant périsse. Il veut que le méchant saisisse dans quel temps il est pour mieux s'engager pour le Seigneur. Frère, que tu le veuilles ou pas, les temps sont mauvais. Et pour parler du contexte que le Seigneur nous demande de faire comme travail, on parle du social, on parle des épiceries, on parle des précarités. Frères et sœurs, nous qui sommes en France, nous voyons ces précarités. Ça m'a fait tellement bizarre, j'ai fini le travail il n'y a pas longtemps, et j'ai essayé de prendre la nationale pour venir. Je me suis dit, bon, si je prends l'autoroute, ça va être c'est dur, à 19h, c'est compliqué, je vais être en retard. Ben, je vais prendre la nationale. Ben, en prenant la nationale, ben, c'était un peu bouché. Je me suis dit, bon, je vais reprendre pour voir l'autoroute pour tester. Ben, tu sais quoi, Aurélie? Ben, l'autoroute, c'était fluide. Tu sais pourquoi? Non, tu sais pas pourquoi. C'est-à-dire, tu sais pas dans quel contexte on est en France. Ah, ma sœur, on parle du contexte. Alléluia! Voilà. La Bible est claire. Hein. Non, là, ce n'est pas faire le spirituel. C'est simplement discerner dans quel temps nous sommes déjà. Dans le concret, ce qu'on voit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, que nous sommes en train de vivre, ben, une précarité encore, mais qui est en train de devenir énorme. Des gens qui ont dit, moi, président, tout ce que vous voulez, on fait des promesses, mais on se rend compte que, ben, à la fin, le monde va quelque part. Ben, c'est une chute libre. Ça veut dire que les gens arrivent encore dans une grande précarité. On met en place des lois qui vont encore rendre les pauvres plus pauvres. Ou on privilégie encore les riches. Le temps que nous sommes, c'est ça, frères et sœurs. Je parle déjà de la France, après je parlerai de l'Europe. Dans quel temps nous sommes pour mieux m'engager dans l'œuvre du social? Est-ce un moment propice où on a dit que tout va bien, mais on se rend compte que tout va mal? On ne sait pas si on va revivre mai 68, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais frère, le monde va quelque part, mais comment? Notre responsabilité, comme on a vu l'autre fois, c'est quoi? C'est de répondre à un besoin. Et en répondant à ce besoin, je le sais, parce que la Bible me dit dans Colossiens 3, 17, tout ce que vous faites en parole, en action, c'est d'être pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors, quelles sont ces actions qu'on doit mettre en place? Le pays va mal. L'Europe va mal.
Là où on pensait même qu'il y avait la paix, l'eau coulait pour certains, le lait et le miel. Il y en a qui voyaient, qui traversent des pays. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'une précarité frappe. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui en Europe? On nous dit qu'en Europe, selon les statistiques, les experts, les gens qui aiment bien faire les stats comme l'INSEE, ils vont dire qu'en Europe, près de 50% des familles vivent avec moins de 900 euros par mois. Aurélie. Ça veut dire que 50% des familles vivent avec moins de 900 euros par mois en Europe. Je ne vous parle pas de l'Afrique, je vous parle de l'Europe. Moins de 900 euros par mois. Vous pensez, si vous voulez faire les calculs après, comment ça peut revenir? Payer le loyer, payer l'électricité, payer le courant, payer les factures, payer Internet, payer manger même. Et si on le divise par le nombre de jours, cela fait près de 30 euros par jour les gens vivent aujourd'hui en Europe. Par jour, ils ont 30 euros pour vivre. C'est pour cela qu'on met en place les épiceries. Parce qu'une épicerie, ben, on regarde qu'est-ce qu'il y a entre entrée et sortie pour avoir accès à une épicerie. Mais je pense que depuis qu'on a commencé, je ne sais pas, Arlette, en 3 ans, je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas, je pense qu'on a quand même vu un nombre croissant. Un nombre croissant, oui. 200 familles à chaque fois. 200 familles. Ouais. Et par an, ça peut vous faire combien? Là, on doit atteindre, l'année dernière, on était à 600 familles depuis l'ouverture. Là, à mon avis, on doit être dans les 800. Hein. 800 familles en un an qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Et nous sommes en France, frères et sœurs. Vous voyez? Et là, je vous parle seulement d'une commune à Courcouronnes. Je ne vous parle pas de... Je vous parle même pas de comment on appelle ça? Je vous parle d'un département qui est l'Essonne. Et nous savons, comme nous avons vu l'autre fois, l'un des départements les plus pauvres de l'Île-de-France, c'est le Saint-Denis. Après Saint-Denis, on passe au 95. Le Val-d'Oise, après le 95, on passe au 91. C'est-à-dire qu'on est simplement classé près de 3e. Après le 4e, c'est Paris. C'est les 3 arrondissements de Paris, 18, 19 et 20, où il y a une énorme précarité qui sévit là-bas. Vous avez vu? Ça veut dire que même en France, cette précarité augmente, frères et sœurs. Le constat est amer. On ne peut pas rester insensible. Et que ces familles qui viennent, on vous parle, croyants ou non-croyants, tous, ils sont dans le besoin. L'homme est dans le besoin. Et si nous faisons l'œuvre du social, c'est sans distinction de race, de religion, peu importe. Nous voulons aimer notre prochain comme nous-mêmes, un point, un trait. Et sur 900 personnes, effectivement, comme je le disais, 50% des familles en Europe vivent avec moins de 900 euros selon les experts. Et ils nous disent encore, ces experts, que on peut vous dire 30 euros, c'est peu, oui. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a près de 2,2 milliards de personnes sur la Terre des hommes. Nous sommes près de 7 milliards, si je ne me trompe. 2,2 milliards d'habitants sur la Terre des Hommes vivent avec moins de 2 euros par jour. Tu vois? Ça veut dire que nous qui sommes un peu en France, nous sommes quand même un peu mieux. Et rappelez-vous encore, il y a des pays même qui n'ont même pas de compte en banque, parce que celui qui a un compte en banque, c'est quand même quelqu'un qui a l'argent. Il y a des gens qui, dans des pays, ils vivent au taux du jour. Ça veut dire qu'ils vivent du jour au lendemain. Ils n'ont même pas de retraite, ils n'ont rien. Ça veut dire que, voilà, ils vivent au jour au lendemain. Voilà dans quel monde nous vivons, frères et sœurs. Voilà le contexte dans lequel nous travaillons, frères et sœurs. Et au-delà de ça, de l'Europe, on l'a dit tout à l'heure, la France, dans le pays où nous sommes, frères et sœurs, où nous travaillons, où nous exerçons par la grâce de Dieu. À l'heure d'aujourd'hui, en France, il y a des gens qui ont voulu mettre en place des nuits debout. Pourquoi? Le contexte de nuit debout, c'était simplement pour empêcher de perdre de l'argent en faisant des grèves. Alors ils vont préférer... Veillez la nuit. En veillant la nuit, ils essayent d'échanger les choses pour essayer de faire évoluer les choses par rapport aux certains dysfonctionnements. Ça, c'est les nuits debout. Mais ils se sont rendus compte que les nuits debout, là, ça n'a même pas payé. Alors, ils ont passé une autre étape. Là, on parle de pénurie. On parle aussi de l'électricité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'électricité. Si on va loin, 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 on ne sait pas où on va. Mais frère, face à tout ça, que fait le chrétien? Alléluia. Face à toutes ces pénuries, face à tout ce qui se passe, face à des familles qui sont réellement dans le besoin, que fait l'Église? Qu'est-ce que nous faisons? Ou que pouvons-nous faire à notre niveau? On ne va pas changer la France, loin de là. Mais on dit simplement, en tant que chrétien, je ne peux pas dormir tranquille. On a vu par rapport à notre responsabilité, qu'est-ce que je peux mettre en place? Cet économe,
il avait quand même des biens. Alléluia. Ces biens-là, on l'a dit, il avait des biens. Mais ces biens-là, lui, il voulait préparer ça pour que, quand on va le chasser, il puisse trouver, une stratégie pour s'en sortir. Mais nous, frères et sœurs, les biens que nous avons, c'est quoi? C'est les épiceries. Alléluia. Les biens que nous avons, c'est l'intelligence que Dieu nous donne pour mettre en place des œuvres pour que son nom soit glorifié. Les biens, les richesses que nous avons, elles sont peut-être pas... financière, mais sont peut-être matérielles, l'intelligence, les talents que Dieu nous donne, frères et sœurs. Et par rapport à ces talents, qu'est-ce qu'on fait? On sait que l'homme ne reste plus que le souffle de vie. Et que Dieu nous a laissé un temps. Depuis Adam, frères et sœurs, la Bible est claire. La Bible nous dit que pour l'homme, c'est 90 ans. Sur 90 ans, pour les plus robustes, ils arrivent à 120. Voilà, moi, depuis que je suis né, j'ai connu ce mon Jeanne Calment qui arrive à 120. Jusqu'à là, il n'y a personne encore. Ça veut dire, tu as quel âge? Là, on a parlé de 21 ans. Merci Seigneur, là, on vient d'avoir les 35 ans. Ouais, bref. Ben, ça veut dire, si on fait les calculs, il nous reste peu de temps. Mais dans ce peu de temps, Madame la mort, comme on a dit, elle peut frapper. Regardons, prenons Job 1. Les œuvres sociales. Quelqu'un peut prendre. Tu peux prendre Job 1, 21. Qu'est-ce que la Bible dit? Job 1, 21. Faire du bien le peu de temps qu'il nous reste, frères et sœurs, pour préparer notre place au ciel. Le Père est parti nous préparer une maison. Job 1, 21. Job 1, 21, je lis au nom de Jésus. Mm-hmm. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, mm-hmm, et nu j'y retournerai. Ok. C'est-à-dire que là, Job veut nous faire comprendre que les richesses que nous avons sur la terre des hommes, frères et sœurs, ça va rester. Alléluia. L'intelligence que ça te donne, tu vas partir. Qu'est-ce qui va... On a lu tout à l'heure dans Luc 16, 9, la Bible dit que... je veux le relire, il dit que... Faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin que vous viendrez à manquer... Quand il vous viendra, à manquer, qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Les richesses injustes, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a sur la terre des hommes. C'est injuste, frère, c'est éphémère. Les choses qu'on donne aux frères et sœurs, la richesse que Dieu nous donne, c'est éphémère. Alors quand Dieu nous donne des richesses, mais nous devons le partager au nom de Jésus, alléluia, parce que nous partirons avec rien. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour soutenir mon prochain? Là, il te reste 30 euros, mais il y a des pays qui n'ont rien. Avec 30 euros, tu peux faire quelque chose, frère, pour le faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen. J'aime Élisée. Élisée, cette femme veuve qui n'avait presque plus rien, elle a dit, donne. Je ne dis pas de vous dépouiller, loin de là. Je vais simplement dire comment faire pour donner. Non pas, on va venir. Non pas donner à un pasteur, non pas donner à une église pour qu'il soit la meilleure grande méga church de Île-de-France. Loin de là, donner par rapport à une personne qui est dans le besoin. Alléluia. Là, l'économe va aller visiter les gens et il va essayer de faire des choses, non pas pour se repentir, mais pour, comme il était, injuste, comme il était mauvais, par rapport à son train de vie, il n'a pas voulu se repentir. Mais nous, frères et sœurs, notre espoir, la Bible nous dit quoi dans Jean 16? Je pars là-haut, vous préparez une place, vrai ou faux? La Bible nous dit quoi? Il reviendra nous prendre, vrai ou faux? La Bible nous dit quoi? La dernière trompette, nous partirons, vrai ou faux? Nous avons vu par la grâce de Dieu avec l'émission Il est minuit, que bientôt le Seigneur revient. Mais quand il reviendra, comment te trouveras-tu, frères et sœurs? Te trouveras-tu dans les cancans? Te trouveras-tu dans la nonchalance? Ou te trouveras-tu réglo dans ce qu'il t'a demandé de faire pour sa gloire? Alléluia! Par rapport à tous ces chiffres qu'on a donnés, on ne vous donne pas des chiffres pour donner des chiffres. On vous donne des chiffres pour voir dans quel tas nous sommes, le contexte actuel dans lequel nous vivons. Où il y a une grande précarité. Oui. Amen. Juste pour illustrer par rapport à la précarité. Mm-hmm. Donc... un exemple récent, en fait, on a eu à recevoir une bénéficiaire qui vient depuis régulièrement, déjà depuis au moins un an minimum, régulièrement. Et elle a plusieurs enfants et en fait, on l'a accueillie il y a deux, trois semaines, complètement abattue, encore plus que d'habitude. En fait, elle avait dans l'idée, pour vraiment trouver une solution parce qu'elle n'arrive pas
à s'en sortir en plus de ce qu'elle prend à l'épicerie, parce que c'est vrai que l'épicerie, c'est alimentaire, mais il faut payer les factures. Mais ça, elle a un minimum à vivre, on va dire 600 euros pour elle, parce qu'elle ne travaille pas, ça doit être RSA, je suppose. Et en fait, entre autres, payer les factures, il lui doit lui rester 200 euros. Donc, ce qu'elle me disait avec 3 ou 4 enfants, donc ce qu'elle me disait, c'est que où je déménage, je vais en province, parce que le loyer, elle essaie de trouver une stratégie. Je déménage, je vais en province, parce qu'elle est seule. Je déménage, je vais en province où le loyer sera moins cher. Donc, ça va peut-être m'aider. Il restera plus d'argent si j'ai moins de loyer. Ou dramatiquement, je me tue et je tue les enfants. Oula. Voilà au point où elle en est. On en est en France. Voilà. Donc c'est... Il y a combien de temps que tu as vu la petite? Ça fait 3 semaines. 3 semaines. Voilà. Ça veut dire qu'on ne parle pas de quelque chose il y a 20 ans. Non, c'est actuel. C'est ce que nous vivons par rapport à ce que nous pouvons mettre en place. Vous voyez, frères et sœurs, vous voyez dans quel contexte que nous sommes? Et nous sommes encore là en train de nous lamenter, nous sommes encore là en train de regarder qu'est-ce qui se passe sur le bout de mon nez. Les temps sont critiques, frères et sœurs. Et la Bible dit quoi? Dans Luc 16, on a le riche, comment on appelle, l'homme riche est parti voir son économe en lui disant « Je viendrai bientôt te demander des comptes ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce que Dieu a donnée à Adam de ne pas le tuer physiquement, mais un temps ou l'autre, il est mort après Adam. Ça veut dire quoi? Nous aussi, on a hérité de ce qui était en Adam à l'époque, bien sûr, avant d'avoir accepté Jésus, mais l'homme que nous étions humainement, nous avons hérité de cela. Ça veut dire que Dieu nous fait aussi grâce. Si nous ne sommes pas encore morts aujourd'hui, c'est que Dieu a un travail à faire avec nous, frères et sœurs. Alléluia. C'est ça qu'on parle de cette grâce, de cette richesse-là. Si il y a le souffle, ce n'est pas en vain. On peut prendre un passage dans Psaume 49, verset 17. Parce que souvent, on peut croire que le souffle de vie... on va partir avec toutes les richesses qu'on a, des voitures qu'on a, des maisons qu'on a. Je ne culpabilise pas les riches, loin de là. Mais simplement, on doit savoir que quand Dieu nous fait grâce, c'est pour un but. Alléluia. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Psaume 49, verset 17. Oui. Psaume 49, verset 17. Tu peux lire, hein. Ne crains point quand tu verras quelqu'un s'enrichir et quand les trésors de sa maison se multiplient. Car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien. Ses trésors ne descendront point avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous rend riches, ce n'est pas en vain. Parce qu'à un moment ou l'autre, on peut croire que ce que Dieu nous donne, on va partir avec. C'est pour cela que des fois, ceux qui ont de l'argent, c'est plus eux qui ont mal à la tête que ceux qui n'ont rien. Et le Seigneur va le dire, David va le dire. David va dire que tout ça, c'est vanité, frère. Si Dieu nous fait grâce encore d'avoir même des biens, parce que Dieu, comme on a dit, il fait pleuvoir sur les riches et sur les pauvres. C'est Dieu qui les fait par sa grâce. Mais en tout cas, on doit comprendre pourquoi Dieu nous permet d'avoir cette richesse. Pourquoi Dieu nous permet d'être dans un pays, d'avoir, comment on appelle ça, des dons, des talents. Je peux prendre ces richesses-là sous forme de talents. Tu peux lire aussi Ecclésiastes 5, verset 15. S'il te plaît, Aurélie. 5, 15. Et c'est aussi un mal fâcheux que comme il est venu, il s'en va de même. Et quel avantage a-t-il d'avoir travaillé pour du vent? Ah! Non, moi, l'œuvre du Seigneur, c'est bon. Je vais commencer à faire mon propre entreprise. Je vais commencer à faire... C'est bien. Mais servir Dieu, c'est mieux. Alléluia. Parce que si Dieu te fait grâce d'avoir encore le souffle de vie, ce n'est pas en vain, frères et sœurs. À quoi ça sert de s'amasser les choses après? Merci Seigneur. Quand on lit même Luc 16, là, vous avez vu, au début, le Seigneur donne ses paraboles, mais un peu plus bas, il va donner le parabole de l'homme riche et Lazare. Quel parallèle! Je ne dis pas que Dieu culpabilise, je répète encore, je ne veux pas culpabiliser ce que Dieu fait grâce, financièrement parlant, mais je vais simplement nous dire, Dieu fait les choses pour un but. Alléluia! Il ne le fait pas en vain. Il nous fait grâce comme il a fait grâce d'encore être en vie aujourd'hui. Ce n'est pas en vain, frères et sœurs. Mais nous devons comprendre comment travailler le peu de temps que nous reste sur la terre des hommes. Comment nous investir? Quel est notre rôle par rapport à la précarité qui sévit dans notre pays, par rapport à la précarité qui sévit dans notre département, dans notre région, dans nos quartiers, frères et sœurs? Arrêtons de faire les Superman, les superstars d'église. Arrêtons, frères et sœurs. Dieu fait toutes choses pour un but. Vous savez, il y a 2 jours, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a encore fait voir le ciel. En fait, je voyais
j'entendais des louanges et à un moment ou l'autre, c'était, je voyais comme si des anges venaient m'accueillir, tout ça. Et à un moment ou l'autre, le Seigneur me faisait comprendre, vas-y, il faut que tu reprends. Voilà, là, j'étais vraiment, il y avait une paix, il y avait une joie. J'étais content, je me disais, ah Seigneur, vraiment. Il y avait une telle paix et les anges acclamaient. Et à un moment ou l'autre, le Seigneur va me faire comprendre, tu dois rester encore dans la terre des hommes, faire ce que je te demandais de faire, faire ce que j'ai demandé de faire et fermer tes oreilles. Peu importe tes oppressions, peu importe tes attaques, fais ce que je t'ai demandé de faire. Et quand je me réveille, je me dis, Seigneur, que nous ne travaillons pas dans le vide, frères et sœurs. Des fois, on peut se poser des questions. Mais frères, parce que le contexte est un tel, Dieu a besoin d'un reste, Dieu a besoin d'un peuple pour travailler dans un tel domaine. Chacun son domaine, bien sûr, chacun son niveau, mais Dieu a besoin de toi. Il est la tête, nous sommes son corps. Alléluia. Et que son corps doit être actif pour que le royaume de Dieu soit encore, comment on appelle ça, pour que les gens connaissent qui est Jésus. Et c'est là que je me dis, ben, ce passage me fait comprendre, il lui restait peu de temps. Il dit, dans le verset 9 de Luc, on va comprendre un autre passage, même Luc 12, 21. Tu peux lire Luc 12, 21. Oui, on va prendre un passage encore. Comprendre que travailler, Luc 12, 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette même nuit, ton âme te sera demandée, et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu, quand il nous fait du bien, quand Dieu, nous, par sa grâce, financièrement, nous assiste, mais à un moment ou l'autre, on peut croire que c'est pour nous. On commence à, dans ta tête, il y a beaucoup de projets qui commencent à te... Et quand Dieu, par sa grâce, te met même une pensée pour soutenir quelqu'un qui est dans le besoin, tu commences à réfléchir. Oh frère, c'est pour ça que des fois je dis on a besoin de la foi. Alléluia. On a besoin de la foi parce que nous on dit qu'on a la foi, mais quand on regarde nos comptes des fois, si tant qu'il n'y a rien, tu commences à... On en a vu même des fois, il y a de l'AVC sur place. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus la foi en Dieu. Or qu'on a besoin de la foi, dire que Seigneur... Et la Bible est claire, celui qui sème moissonnera, frères et sœurs. Je ne vous parle pas de l'évangile de prospérité, de moissonner, de semer dans la vie d'un homme. Non, dans la vie de l'œuvre du Seigneur pour que l'œuvre du Seigneur puisse encore aller de l'avant. De la vie des gens qui sont dans le besoin pour que ces gens-là, chrétiens ou pas, quand Dieu les visitera, ils n'oublieront pas de savoir le geste que vous avez posé au nom de Jésus. Alléluia. Et regardez, pourquoi Dieu nous bénit financièrement, déjà ? Ben, simplement, premièrement, on peut prendre Daniel 4. C'est pour le rendre gloire. Dieu, financièrement, nous donne des finances. Ce n'est pas pour dire que j'ai de l'argent. Si Dieu, matériellement, nous donne des structures par sa grâce, le grenier, ça peut être la réserve de sarcelles, toutes ces choses-là, ce n'est pas pour dire que nous sommes quelqu'un. C'est parce que c'est pour un but. C'est parce que ces gens-là que nous aidons. Quand Dieu les visitera, ils n'oublieront pas de bénir la providence. Alléluia. Ils ne diront pas, ah non, mais c'est grâce au grenier. Même s'ils le disent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, on le remet à Jésus. Et à un moment ou l'autre, Daniel 4, verset 6, 11 même. Daniel, cet homme que Dieu avait tout donné comme richesse, l'intelligence. Cette richesse qu'on parle, ce n'est pas simplement l'argent, du monnaie. C'est aussi les talents que Dieu peut nous donner. Tu peux lire, Aurélie ? Alors ces hommes s'assemblèrent et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils s'approchèrent du roi et lui dirent au sujet du décret royal, n'as-tu pas écrit ce décret portant que tout homme dans l'espace de 30 jours qui s'adressait à des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions. Ça veut dire quoi ? Tellement que Daniel, vous savez que Daniel était dans une bonne position. Finance socialement, Daniel était bien dans ce pays. Mais Daniel aurait pu oublier la providence. Rappelez-vous même quand, des fois, Daniel, on pouvait tout lui donner. Il disait non, il apprenait toujours à honorer Dieu. Frère, premièrement, quand Dieu nous bénit financièrement, ça peut être par rapport aux talents, aux richesses, apprenons toujours à le rendre gloire. Alléluia. Apprenons à toujours dire c'est grâce à Jésus. Apprenons à savoir d'où vient la providence. Parce que s'il enlève sa main,
C'est en leurs mains ce qu'ils vont enlever. Ce n'est peut-être pas les finances, mais le souffle de vie. Et que toutes ces richesses que tu as, quelqu'un s'en servira demain. Et après, il y a eu un homme qui a commencé à vouloir se glorifier de cette richesse qu'il avait. Vous connaissez c'est qui ? Toujours dans Daniel, c'était qui ? C'était qui ? Nebuchadnezzar, vous ne vous rappelez plus ? Prenons Daniel. Daniel 4, verset 27. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Quand on veut se glorifier dans ce que Dieu fait, quand on veut se glorifier, on ne veut pas, en fait, soutenir celui qui est dans le besoin. Et on croit que Dieu nous bénit pour nous faire voir que nous sommes grands. On pense que Dieu nous bénit financièrement, maternellement, pour dire que nous sommes quelqu'un. Frère, nous sommes zéro. Et Anna qui n'a pas voulu comprendre qu'il était zéro dans la Bible, Dieu va l'apprendre à comprendre qu'il est zéro. Prénom. Non, moi je suis quelqu'un, fais attention. Camarade, quand seulement ça sort de ta bouche, même avant d'avoir fini, si tu ne te réponds pas, c'est là que Dieu commence à te déclasser. Prénom. Et regardez, prénom. Ouais, tu peux lire, Aurélie ? Daniel 4, 27. Dieu nous fait grâce. Oui. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable. Rachète tes péchés par la justice et tes iniquités en faisant miséricorde aux pauvres, et ta paix pourra se prolonger. Ah, quand tu peux continuer même au-dessus, tu peux, on peut prendre au-dessus. 26. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de cet arbre signifie que ton royaume te sera rendu. Dès que tu auras reconnu que les cieux dominent. Et on connaît l'histoire de Nebuchadnezzar. À un moment ou l'autre, il a cru que tout lui appartenait. Et Dieu va lui dire quoi dans le Daniel 4, 27 ? Que quand tu apprendras à t'occuper des pauvres, quand tu apprendras à prendre soin de ces indigents qui se trouvent autour de toi, là, Dieu pourra te faire grâce. En gros, on comprend par là, c'est être généreux, frères et sœurs. Aimer la justice sociale, frères et sœurs. Et concrètement, comment l'aimer ? Ben, c'est poser des actes. Alléluia. Poser des actes, j'aime bien. Il y a un homme qui parle beaucoup des œuvres de la Bible qui s'appelle l'apôtre Jacques, que nous connaissons. Jacques, le frère de Jésus. Et si on lit les débuts au début des évangiles, Aurélie, Jacques ne priait pas s'il est incrédule. La Bible est claire. La Bible me dit que toute la famille de Jésus-Christ ne croyait pas en lui. C'était des incrédules. Et quand ils ont vu que cet homme disait des choses, mais il le vivait, disait, avec compassion de comment on appelle ça, des gens qui avaient faim, mais il les nourrissait, la Bible va me dire que Paul, l'apôtre Jacques, qu'on va maintenant commencer à parler, va, sa spécialité ou sa, comment, son message, ça sera plus la foi accompagnée des œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, loin de là. Mes frères et sœurs, pour prouver qu'on a la foi, c'est les œuvres qu'on pose, qui détermine qui nous sommes avec Dieu. Alléluia. Les œuvres que nous posons, frères et sœurs. Quelle maison nous sommes en train de préparer ? C'est pour cela que dans Luc 16, 9, la Bible dit que quand nous faisons des choses pour des choses injustes, quand nous allons poser des actes avec des choses injustes, l'argent, monnaie, parce qu'on ne parle pas de la spiritualité, on parle de choses injustes. Cette chose injuste, c'est l'argent. Que l'homme donne de la valeur, c'est injuste devant Dieu. Quand nous allons poser, la Bible dit dans Luc 16 là-bas que quand on va commencer à faire des choses avec des biens injustes, c'est là qu'on aura notre maison dans la vie éternelle. Alléluia! Je ne sais pas si vous n'aimez pas ça. Si nous bossons, frères et sœurs, moi je dis toujours, si je me consacre dans l'œuvre du Seigneur, c'est pour avoir des baraques, mais une maison que personne ne pourra, non, même ton ami ne pourra pas toucher. Alléluia! Il y a maison et maison. Il y a des maisons qui peuvent, une bombe peut passer, boum. En plus, nous sommes dans un contexte tellement bizarre et que tu vas commencer à pleurer. Il y a une maison où la catastrophe naturelle, où la pluie peut tomber et même l'assurance ne peut pas racheter cette maison. Il y a des maisons où on peut te détruire en deux minutes. Mais il y a une maison et maison, frères et sœurs. Alléluia. Donc, quel temps nous travaillons ? Nous sommes dans le temps où le Messie revient. Et comme le Messie revient, prendre ce qui lui appartient, la Bible nous dit que dans le tribunal de Christ, chacun recevra sa couronne. Alléluia. Quelle est ta couronne, frères et sœurs ? Pour quelle couronne travailles-tu ? La couronne des hommes ? Que nous fiennes, tu es l'homme de Dieu par excellence, camarade. Faut pas me fatiguer, on a compris, c'est le ciel. Quoi, pourquoi nous travaillons ? Moi, personnellement, je travaille, oui, parce que j'aime Dieu, ça c'est clair, on ne va pas se mentir. Mais deuxièmement, Aurélie, je travaille pour avoir une baraque que personne ne pourra acheter. Et que personne ne pourra toucher. Et cette baraque, c'est au ciel. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit,
Le condamné infidèle, il dit, mais quand on va me virer de cette maison? Mes frères, Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. Le peu de temps qu'il nous laisse sur la terre des hommes, il veut qu'on reprenne ce qui nous appartenait au ciel. Il veut qu'on revienne dans la maison avec le vrai appartement que Adam a perdu à cause du péché. C'est pour cela que Dieu a donné ces paraboles. Qu'est-ce que nous faisons dans ce contexte actuel où les gens deviennent de plus en plus pauvres? Dans des pays, soi-disant, il y avait, comment on appelle ça, où il y en a qui ont dit quand ils allaient venir là, ils allaient apporter la paix, ils allaient apporter faire évaluer les choses, évoluer les choses. Et qu'ils nous disent même que tout va bien, que les chiffres de l'emploi, comment on appelle ça, l'emploi augmente, frère. Sinon, les gens ne seraient pas fâchés aujourd'hui. L'espoir, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand nous, chrétiens, nous posons des actes pour Dieu, ce n'est pas pour attendre les richesses injustes. Ces richesses injustes, c'est pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Mais amassons pour les richesses éternelles. Alléluia. Cette maison éternelle que personne ne pourra toucher. Cette maison éternelle que personne ne pourra voler. Cette maison éternelle que personne ne pourra atteindre. Frère, le ciel, c'est une vérité. Il a dit dans Jean 16, je suis parti vous préparer une place, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi t'engages-tu pour le Seigneur? Pourquoi veux-tu répondre à cette responsabilité d'aider les pauvres, les orphelins, les veuves, les démunis? Pour avoir un nom? Pour te faire un nom? Parce que quand on travaille dans le domaine du social, les gens sont toujours touchés. Païens ou chrétiens sont touchés. C'est pour cela que tu le fais? Te faire un nom. Et si on ne fait pas attention, on commence même à faire du business sur la tête des pauvres. Non, frère. Nous le faisons parce qu'il y a une place qui nous est réservée au ciel. Nous le faisons parce que le maître reviendra et chacun de nous devra rendre des comptes des talents qu'il leur a donnés. Ça peut être au niveau intelligence. Qu'est-ce que tu as fait pour son œuvre avec l'intelligence que Dieu t'a donnée? Ça peut être par rapport à l'argent que Dieu t'a donné. Parce que je pense, je ne sais pas, Aurélie ou Arlette, je pense peut-être que c'est vrai qu'à l'épicerie, par la grâce de Dieu, chaque mois, il y a près de 200 personnes. Mais il y a peut-être aussi des besoins. Niveau finance, je ne sais pas, maintenant que vous n'êtes plus dans le pain quotidien, vous avez votre propre compte, Dieu vous accompagne, mais est-ce qu'il y a des besoins, peut-être à des frères et sœurs qui aimeraient aussi soutenir parce qu'ils se sont rendus compte que les richesses que Dieu nous donne, ce n'est pas pour dire que nous sommes quelqu'un, les richesses que Dieu nous donne, non pas pour enrichir les gens, c'est pour soutenir celui qui est dans le besoin. Et est-ce que par rapport à l'œuvre que le Seigneur vous demande de faire au niveau de l'épicerie, ben avant même de parler, Arlette, on va essayer de balancer un peu la vidéo pour voir un peu le travail qui se fait au niveau de l'épicerie, là où vous êtes à Courcouronnes, et pour que les frères et sœurs voient concrètement de ce que nous sommes en train de parler depuis tout à l'heure. Merci l'équipe technique. Si vous pouvez balancer la vidéo. Ok. Oui, ça, le grenier solidaire est composé de deux axes majeurs qui sont la permanence administrative et juridique et l'épicerie. Au sein de la permanence administrative et juridique, nous recevons les nouvelles personnes que nous inscrivons. Actuellement, nous avons une trentaine de cas en cours et par la grâce du Seigneur, nous avons deux juristes, voire même trois, qui nous aident à élucider ces différents cas, à savoir le droit de l'asile, le droit des étrangers, les droits au logement et les autres droits que nous pouvons rencontrer, droit à la famille par exemple. Nous recevons à hauteur de deux fois par mois les bénéficiaires et nous leur donnons gratuitement des colis alimentaires. À ce jour, nous nous ravitaillons au sein de Carrefour, à Sainte-Geneviève-des-Bois, à hauteur de trois fois par semaine et nous nous ravitaillons aussi au travers des opérations caddies qui sont réalisées. Hormis ces deux grands pôles, nous avons mis en place des ateliers par la grâce du Seigneur. Il y a l'alphabétisation, la population que nous recevons parfois ne peut pas lire le français, s'exprime mal ou ne sait pas écrire le français, et ces personnes-là sont demandeurs. Donc nous avons mis en place cet atelier. Nous aidons aussi les enfants, donc nous avons mis un atelier qui s'appelle aide aux devoirs, tout simplement, pour les enfants aussi bien du primaire que du lycée et du collège. Nous avons l'atelier couture, qui va commencer à partir du mois d'avril. Cet atelier en fait, va permettre à différentes familles, à différentes femmes ou hommes, de venir et de pouvoir échanger, certes d'apprendre quelque chose de nouveau, à savoir la couture et le tricot, mais de pouvoir aussi échanger sur leur situation, parce que nous nous rendons de plus en plus compte que les personnes que nous recevons ont besoin de pouvoir déverser en fait,
leurs problèmes, leurs soucis, leurs inquiétudes. Et comme le Seigneur nous établit en fait au sein de cette œuvre, de cette belle œuvre qu'est le Grenier solidaire, nous voulons et nous cherchons vraiment à pouvoir remplir en fait ce rôle, cette tâche que le Seigneur nous donne. Le dernier atelier que nous mettons en place, si je peux appeler ça atelier, c'est les foires aux vêtements. Les personnes qui viennent aujourd'hui au Grenier solidaire n'ont pas forcément le moyen de pouvoir se vêtir de manière décemment. Et donc, ils viennent une fois tous les 2-3 mois à l'épicerie pour pouvoir recueillir des vêtements propres que nous sont donnés par des frères et sœurs que nous bénissons au nom puissant de Jésus. Aussi, on peut laisser pour l'épicerie aussi maintenant. Je me présente, je m'appelle Jossi. Le travail qui se fait, voilà, c'est pas simplement un Courcouronne, Dieu fait grâce. On a un contrat avec Deleuze. Ça commence à Courcouronne. Deleuze qui fait un grand magasin ici. Qui se fait en Belgique, à Morangis, qui nous distribue la nourriture tous les jours. À Sarcelles, avec la Rivière. Tous les jours, on reçoit la nourriture. Sarcelles, tous les jours, on reçoit. On ne sait même plus. Il y en a aussi à... C'est le mercredi, à partir de 20h30, et les dimanches, à partir de 16h. Et donc, voilà, il y a beaucoup de familles qui viennent prendre la nourriture, et ça nous encourage, parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens, et qui ça leur permet de manger. C'est ça aussi l'évangile, c'est que les gens aussi puissent être nourris. Et à travers aussi ça, il y a des personnes qui sont touchées. Il y a des musulmans qui se posent des questions, qui sont touchés par la parole de Dieu. Et donc, voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est un autre travail. Ok, merci, frère. Équipe technique. Voilà, ça c'est l'autre aspect du social. Alors, aujourd'hui, on était plus par rapport au travail au niveau de la France. Oui, ben, par rapport à ce. En tout cas, je tiens à bénir Dieu, à vous encourager encore par la grâce du Seigneur, le travail que vous faites. Et comme on l'a dit, en tout cas, il faut le comprendre, vous êtes en train de préparer votre grande baraque au ciel. Alléluia. C'est une certitude, c'est ça notre espoir, c'est ça notre espérance. Parce qu'on l'aime, il revient. Et comme nous ne sommes plus éternels, on l'a vu tout à l'heure dans Job 1:21, on partira, frères et sœurs. Et c'est bien là que nous avons sur la terre, ça restera. Et bien sûr, d'autres personnes s'en serviront très bien même, sans nous. Mais par rapport à ça, je ne sais pas s'il y a des besoins au niveau de l'épicerie, comme le travail, voilà, je ne sais pas, Arlette. Oui, amen. Donc je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore de présenter le travail qui se fait au niveau du grenier, parce que c'est vrai qu'on le fait pas souvent, mais donc là, on saisit l'opportunité. Et donc je bénis le Seigneur et merci parce qu'il nous donne aussi l'occasion de le servir. Et ça veut dire qu'il nous fait confiance. Amen. Donc merci pour cette confiance, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que moi, pour ma part, pour avoir commencé depuis plus ou moins l'ouverture, j'ai pu voir quand même avec rétrospective un peu l'évolution. Mmh. Et donc béni vraiment le Seigneur, on avance comme il a dit. On doit être obéissant, regarder qu'à lui et lui faire confiance. Amen. Et donc c'est lui qui fait le reste. Vraiment, je bénis le Seigneur, on avance petit à petit, mais on avance. Amen. Donc aujourd'hui, on souhaite, le grenier souhaite, son équipe souhaite vous interpeller, frères et sœurs qui nous regardez, parce qu'effectivement, nous avons des besoins. Nous sommes une dizaine de bénévoles, de frères et sœurs qui craignent le Seigneur. Et on prie, parce qu'on prie, on sait que l'œuvre, il y a beaucoup de choses à faire dans le Seigneur, pas seulement au niveau de l'épicerie, il y a plein de choses à faire pour le Seigneur, mais en fait, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, donc on prie encore pour que le Seigneur envoie encore des personnes qui craignent Dieu, qui ont envie de travailler avec joie, avec fidélité et volonté pour l'épicerie, pour le grenier, donc des frères et sœurs, que ce soit dans le domaine administratif ou juridique, des frères et sœurs, vous avez vu dans la vidéo par rapport au transport, parce que on est de nombreuses sœurs et il y a très très peu de frères. Ah, les frères veulent pas s'engager très, dans le très social. Très peu de frères. Mmh. Oui, donc je crie vraiment Seigneur, vous frères qui nous entendez, on a aussi besoin de vos mains, parce que vous avez vu que l'épicerie c'est de l'alimentaire, donc il y a de plus ou moins du transport à faire, il y a du travail, donc on a aussi besoin de vous. Donc voilà, que le Seigneur vous parle, vous connaissez de toute façon, donc merci pour cette opportunité. Et je prie le Seigneur parce qu'en fait, comme vous avez vu, c'est l'épicerie, on va chercher des denrées régulièrement. On a de plus en plus de familles, donc besoin de plus en plus de denrées. Donc on y va le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, donc 3 jours par semaine. Et sachant qu'il y a de plus en plus de monde, on a de plus en plus de besoins, donc on va avoir de plus en plus de magasins à aller chercher des denrées. Donc
on a vraiment besoin de vous et besoin matériel par rapport à la camionnette parce qu'elle tourne tellement qu'elle ne fonctionne plus au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un appel qu'on vous fait. Donc si vous avez à cœur de nous aider ou de nous soutenir pour l'achat d'une camionnette, je crois que c'est possible. Hein, celui quel type croit, de camionnette ? Une camionnette frigorifique. Donc c'est des denrées périssables et donc on a l'obligation d'avoir une camionnette frigorifique pour avoir accès aux entrepôts des magasins. Donc voilà. C'est pour garder aussi la chaîne du froid. Pour garder la chaîne du froid, c'est une question d'hygiène. Donc on est obligé. C'est pas du luxe que de demander une camionnette frigorifique. C'est des réglementations sur le plan d'hygiène. Vous avez pu l'estimer un peu cette camionnette ? Donc cette camionnette. Vous avez pu voir un peu à combien on peut revenir ? Au nom de Jésus, je vais être prétentieuse parce que on a un grand Dieu. Donc je pense qu'il peut faire des grandes choses. Donc 6 000 euros. 6 000 euros. Ok. Voilà. Ouais, par la foi, merci Seigneur, merci pour les finances. Et cela va vous permettre aussi, ben, par rapport aussi aux opérations Caddie, tout ça. Tout à fait, parce que cette camionnette faisait le transport de tout. Donc pour aller chercher des denrées non périssables, tout ce qui est pâtes, riz, enfin tout ce qui est non périssable dans les collectes alimentaires qu'on appelle communément opération Caddie. Donc ça, il faisait tout ça. Donc voilà. Ça veut dire que. Et si maintenant les gens veulent vous soutenir, vous avez un site internet, des réseaux sociaux, comment tout ça se fait, passe ? Tout à fait, on a un Facebook, le Grenier Solidaire, on a Google Plus, on a. Vous n'avez pas de site internet ? Si, on a un site internet. C'est lequel ? Il faut donner l'adresse. Legreniersolidaire.org. Donc vous avez toutes les explications. Et puis si vous avez l'occasion d'y aller, vous verrez le travail qui se fait. On fait un travail aussi sur les réseaux donc, pour mieux savoir le travail qui se fait et comment le grenier travaille. Tu peux rappeler le site, s'il te plaît, et les réseaux sociaux pour les frères et sœurs qui le regardent. Donc, on a Facebook, on a Twitter et legreniersolidaire.org pour avoir toutes les informations concernant l'épicerie solidaire à Courcouronne. En tout cas, que le Seigneur vous accompagne par rapport à ce travail que vous faites. Toujours, comme on l'a dit, toujours la crainte du Seigneur. Et celui qui a commencé cette œuvre le ramènera à la perfection. Et j'aime, comme disait le Seigneur à Pierre, les portes de l'enfer ne pourront rien contre son œuvre. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, à nous de faire simplement notre part, le craindre et lui faire le reste. Et que ça soit financière, matériel, l'équipe. Il dit prier le Père de la moisson pour envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il ne nous a jamais déçus. En tout cas, continuez encore dans cet élan, dans la vie de prière, la méditation, l'envie de le servir parce qu'on l'aime, le servir parce qu'il nous a fait des promesses et surtout dans le domaine dans lequel il nous a appelés, qui est le domaine du social, de soutenir les démunis, la compassion, travaillant avec zèle. Et je sais une chose, que le Seigneur ne nous oubliera pas. Bon, en tout cas, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous effectivement sur nos réseaux sociaux et sur nos sites internet painquotidien.org avec les différents travaux aussi, que ce soit la Voix des Sans-Voix, les Greniers, c'est tellement beaucoup, mais là, je ne sais plus à qui et quoi. Mais ce qui est sûr, Dieu est fidèle. Nous prions pour les missionnaires qui sont encore au Congo, que le Seigneur les accompagne. Merci Seigneur, parce que je sais que tu ouvres des portes pour les orphelinats au Congo-Brazza. Je sais, oh non, Dieu, tu es très bon. Tu es très bon, que ton nom soit encore glorifié. Nous ne sommes pas satisfaits de tout ce qui se fait. Nous te disons simplement merci, reconnaissant, parce qu'on voit quand même ta main agir. Et nous devons être reconnaissants pour cela. Mais Seigneur, par ta grâce, sers-toi de nous encore. Que Dieu soit béni. Restez dans la paix du Seigneur. À notre prochaine émission, être une voix pour les sans-voix. À bientôt. Merci de prier pour nous. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de votre soutien. Premièrement, dans la prière, ce n'est pas facile. Mais c'est possible au nom de Jésus. Il y a une mission aussi bientôt au niveau des différents pays. Ça peut être l'Haïti, ça va être le Mexique et puis normalement la Colombie. En tout cas, Dieu ouvre des portes et on le rend gloire pour cela. À une prochaine émission, être une voix pour les sans-voix. Au revoir.